Allez, on est parti les gars. Commence la session avec deux tables. On va se chauffer tranquillement le temps que les gens arrivent. Et puis on va peut-être passer à 4-5 tables au cours de la session. Je vais juste afficher les stats comme ça. Dès qu'il y en aura et qu'on aura terminé au moins un sit-and-go, on verra ça. Un expresso, pardon, on verra ça. Si je vais tapis. Si je vais tapis, à peu près le même move sur les deux tables. C'est un peu ballsy, mais il touche. J'ai à lui. Incroyable, call avec Roi-7. Ah, ça c'est pour remonter. Il a ses outs en plus. Il a les rois, il a les 8. Il a quand même ses chances. Si je vais call, on repasse à deux blindes sur le 100 balles. Allez, on est parti. Si je vais fold, j'aurais pu call une fois de plus en vrai. Il essaye de miso. Ouais, le 8, ça va être compliqué. C'est perdu. Commence pas très bien. Salut beau boss, salut Tomash. Tomash, tac-tac. Si c'est tapis. Continue, 50-50. Et qu'on va perdre encore ou quoi? Ah putain, voilà, 12 espèces perdues sur 2, 50-50. La base. La base de la base. Ici, je crois que je vais limp. Je vais limp tapis. Vais fold. Salut Lil Cut. Bienvenue à tous les gars, en tout cas. J'espère qu'on va faire une meilleure session qu'hier. Maintenant, bon, pas commencer sur les chapeaux de roue. Et pour l'instant, bon. Ça va peut-être tourner, les gars. Ici, on va bet, on a un gut shot, on a backdoor quinte. Ici, il me raise. Je pense qu'il ne représente pas grand-chose. J'ai toujours call. Et ici, il a l'air plus de représenter quelque chose. Bon, ici, j'ai pas pris. Bon, la carte ne m'ajoute pas du tout d'equity. Enfin, je pense que j'ai plus que le 2. Je vais tout simplement fold ici. Salut mon Pacino, ça va quoi? Arrête de te faire susurrer à l'oreille déjà, ça sera mieux pour toi et ta femme. Aïe aïe aïe. Allez, let's go. Vive le boycott. Hein. Non, dis-là, je serai pour le stream casino, les gars. Et dès qu'il y aura l'appli, bon, on verra. Je vais check. Je pense que je vais vite sortir de ce coup-là, même si bon. Pas forcément quelque chose ici, surtout quand il mise ce niveau-là. Mais je n'ai rien à faire dans ce coup. Tente un petit all-in. Pourquoi j'ai un écho? Ah, c'est là. Malheureusement, on partage le 10. C'est pas un bon début de session, ça, quand même. Un peu bizarre. Rappelle une session qu'on a vue hier. Salut Arthur. Ici, j'ai des tapis. Pas grand-chose d'autre à faire. Bon, en vrai, je dis ça, mais je peux limp. Je peux limp, je peux 3x. C'est peut-être un poil aggro avec 9-9. C'est quand même une main qui se défend bien. Sur laquelle je suis assez à l'aise à jouer post-flop. Je vais fold. On a du gris. Enfin, on a 3 expressos perdus, les gars. Sur 3 jouets. Tapis ici. Devant. Préférais pas regarder parce que. Il y avait un cœur agité en tilt. Ok, on va fold team. La tapis, ce qui est cool, c'est que si on gagne après, on se retrouve contre lui, qui a 6 blindes, en position favorable. Ça veut rien dire, mais. Bon, ici, pas grand-chose à faire. Je préfère qu'il fold ici. Sauf s'il me colle avec As-2, Roi-2, tout ça. Et contre toutes ses mains, je vais être à 50-50. Plupart du temps. Sauf s'il est no overpair supérieur. Je le remets dans le game, du coup. On est égalité en stack. Alors, gagner un 50-50 sur le début de session. Si je fais 2x, 37 qui hit, 8-8, c'est à lui. 2500 qui est tombé hier. Ah, tu l'as joué, Just Black? Si je vais fold, je vais tapis, j'ai 2x. J'ai pas l'impression d'être obligé de tapis ici. J'ai l'impression que 2x ça marche aussi. Et ici, Roi Dame, j'y vais. Ici, Roi Valet, je vais y aller. Malheureusement, ça va être compliqué. Déjà, je peux pas gagner les 50-50 et en plus, je peux pas gagner les 75-25, genre. Si je vais tapis, et si on va rebuy, 4 lose. Bizarre, hein. Vraiment bizarre ce début. J'aime pas ça. C'est pas ça qui va me faire remonter, là. 0% d'ITM. On est heureux. Pendant que ça passe ici. Roi 3, je pense que c'est un call s'il avait tapis.
8 et 10, c'est un push. On va fold. Partage pas de cartes, c'est une bonne nouvelle pour nous. On était plutôt safe, il n'y avait que la dame qui faisait gagner, même pas la dame de pique. Une victoire, les gars! Ah oui, il y a leur truc là, Western. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va prendre? Waouh! Oh, c'est la merde. Je pense que je vais changer ça pour prendre un 5, non? La merde, ce jeu. De la merde! Allez, on lance. On a débloqué le compteur. 100 balles, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir le petit 100 balles. Fold. Je sais pas comment c'est des sessions dans le vert, on est toujours obligé de courir après le sol. Pas normal, ça. Hein. On appelle le patron de Winamax, là, tout de suite. Tout de suite, les gars. Salut Riquette. La pancole continue de monter. Non. J'ai fait un petit coup d'arrêt hier, les gars. On a pris un moins 450 sur la session. Un peu mal. J'étais sur une bonne série jusque-là. Mais hier, la session a un peu fait mal. Après, j'ai l'impression que je m'améliore un petit peu. Mais toujours pareil, c'est long et tout doux. Et mon niveau grag va encore augmenter bientôt. Donc ça, c'est cool. Si je vais aller à tapis, 100%. Je préfère quand même qu'on soit en heads up. Mais même s'il y a deux joueurs, je pense que j'irai. Si je vais fold, si on y va. On a même 9 mains là-bas. Ah, ça va être compliqué. Allez, un 7. Bah, pas du tout, c'était un 5 qu'il fallait. Dommage. Dommage, dommage. Hop, on est parti. Apparemment, hier, il y a eu un 2500. Ouais. As 4. On va split. Chatard. Chatard. Chatard, c'était à moi, cet argent, il était à moi, les gars. Rends-le-moi. Je fold. Arc-en-ciel 6. Si j'ai call, les gars, je pense que je peux float pas mal de fois. J'ai quand même des backdoors. Si je veux juste 2x, il foldera rien, genre s'il a un 6 ou un valet. Voilà, je suis bon. Pas grand-chose. Salut Kitty. Un paire de valets de derrière. Go. Check. As 10. Toujours un peu le cul serré maintenant sur l'expresso. Je me suis pas tellement de dinguerie. Je suis jamais tranquille, genre. J'arrive pas à me dire, vas-y, je suis serein. J'attends toujours la dinguerie river, genre. C'est un truc de fou, mec. Ouais, les miles. Bah, dis-toi, je suis passé diamant, mec. C'était la dernière semaine de janvier. Et là, on est à la fin de la première semaine de février, un peu plus. Mais je suis à 15 000 miles du diamant 2, frérot. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Sur ma tapis, on peut pas gagner, en fait, les 50-50. Pas normal, hein. Pas normal, c'est rigged. Salut mon Rem. Salut Zedgabo, salut mon Willwatt, salut BG. Je pense que je dois y aller. Je suis pas obligé. Je pense qu'il y a une blinde morte. Si je fold là, après, j'ai de moins en moins de fold equity. Et quand je gagne la blinde ici, c'est quand même assez cool. Alors, je vais retapis derrière. Et là, si je double, c'est cool. Je reviens dans le game. Salut DJ. Plein de good vibes pour toi aujourd'hui. Ah, t'es de meilleure humeur que la dernière fois. Hein. Ah, mais moi, les 50-50, en fait, c'est mort. Qu'on me le dise, en fait, que ce soit clair. Fold ici. Dommage. Pas facile le début de session, les gars. Ouais, je vais perdre 6-50-50 de suite. Il était stream le 2500, non. Non, il n'est pas stream. Sur un call. Allez. Un 8, un 5, un 10. Nice. On sort bien. Et 2x ici. Tapis. Si j'aurais pu tapis. Ici, je vais tapis roi 4. Si je check. Bon. Pareil. Je crois pas qu'il mise aussi cher avec un. Ah putain, là, c'est pas la meilleure nouvelle, mais je vais call s'il bête. Dommage. Il a pas poussé son bluff. Roi dame. Mais je pense pas qu'il aurait mis aussi cher s'il avait un valet. Que c'est pas la majorité des gens. J'ai tapé. La début de session est difficile, les gars. Là, je prends un peu de cookies pour me remettre dans des bonnes.
fois 1000 aujourd'hui. Ouais, tellement, mec. Bon, après, rien que fois 100, mec. Hein. Si je prends le 2500 balles, franchement, je suis trop heureux. Hein. Alors, par contre, on a une news, c'est que je viens de gagner un 60-40. On est quand même heureux. 50-50, pas encore, mais 60-40, c'est bon. Apparemment, on a débloqué le compteur. T'es repassé en deux tables à force de loustric. Non, j'ai dit que c'était pour lancer le stream. Je passerai sûrement à 5 tables comme hier, dès que tout le monde est un petit peu arrivé et tout. Parce que pour dire bonjour, pour parler, c'est plus facile quand même quand on est à deux tables. Mais je pense que je passerai à 5 tables dans la foulée. V2X, si je vais call. Je pense pas que j'ai intérêt à miser à droite. Si mise, j'ai plus la question, est-ce que je relance en value. Mais il a l'air de miser cher, je pense que j'ai pas besoin de relancer. Soit il est en bluff, soit il est devant moi, je pense. Si je vais tapis. Allez. Allez, pourquoi pas. Un 9, un as. C'est possible ça. Et ça gagne. Hauteur, deuxième carte, c'est beau ça. Roi 2, on y va. Salut moi Akira. Ah, il était stream sur Winamax, nice. Oh, cool. Mais c'est qui faisait la session Winamax hier? Si je vais 3x, les gars, 3x5. J'aime faire ça de temps en temps avec des mains un peu moyennes. Je vais c-bet. Fort, comme s'il avait pas misé en fait. Quand il y a un petit don de bet comme ça qui veut rien dire, je fais le même sizing que si j'avais si il avait check quoi. Salut mon luxe. N'oublie pas mon conseil, je suis toujours quand t'es derrière. C'est vrai que ça m'a plutôt réussi ce conseil. Je vais te l'appliquer. Pas ouf ce cookie, hein. Pas ouf. C'est un petit cookie protéiné, mais bon, c'est pas le goût de l'année, quoi. Ça split, ça s'en sort bien ici. Roi 8, ça va y aller contre 4 blindes en face. Un check. Sur un fold. Un fold. Ah, ici, j'ai 2x. C'est pareil, j'aurais pu tapis ici. Ici aussi d'ailleurs. Ça me dérange pas si il chauffe. Normal qu'il y aille avec Valet 2. Pas normal qu'il gagne par contre. C'est trop, ma vie c'est trop. Et ici je vais fold. Voilà, on n'y va pas. Arrête un peu de GG. Je crois que c'est les good vibes aujourd'hui. Commence pas. Essaye d'argumenter un peu quand tu dis des choses toi aussi là. Je suis toujours lié les gars, je suis pour le débat. Mais pour le débat argumenté. Pourquoi c'est pas cool pour toi, Roi 2 à 4 BB10, frérot? Ici, j'y vais. Parce que JJ va me dire que c'est bon. Je pense que c'est dans la range. Dommage. Bon call de sa part, j'aime bien. J'aime bien son call 9-5 en vrai. C'est smart. On sort bien pour nous. Ici, c'est pareil. On va y aller. Le check ici. On a un bon flop en vrai. Allez! Nice. Parfait. Ouais, conseil de Will Watt, ça marche les gars. Tu vas compter derrière et tu gagnes. C'est pas si compliqué que ça, les frérots. Sur un tapis. Puis je vais limp. Bête ici. Dame 6, je vais pas faire pareil, je vais limp. Technique infaillible, ça. Petite blinde. J'espère qu'il va me laisser le pot. 3-5 ici, je vais fold. Check. Je voulais bet en fait, je clique un peu vite. Alors, on touche le 6, c'est pas mal. On va bet une blinde du coup. C'est encore moins crédible que je l'étais au flop. Roi 2, 5 bébé, VS 3 joueurs. En fait, j'ai dit, je pense que c'est ça ton problème, frérot. C'est que tu louches. Si tu vois que je suis contre 3 joueurs à mes tables, c'est qu'il y a un problème, frérot. Je viens de capter. C'est que tu penses qu'on est 4 à la table. C'est ça, JJ. Aïe, aïe, aïe. Salut Recall, salut Michael.
Bienvenue les gars. Ici on dirait du coup 50-50 ici. Oh, attendez. C'est le premier 50-50 qu'on prend quand même, je crois. Je dis pas de conneries. Un magicien. Dommage, dommage. C'était le premier 50-50, je crois, les gars. Me semble. Si je ne dis pas d'ânerie. Après 15 minutes de start. Si on y va. Ah, mais JJ, lui, le problème, c'est qu'il est en, full ring. Arrête, par contre, lui, il va nous mettre une remontada, là. Aïe, aïe, aïe. JJ, là, je suis en full ring, les gars. C'est ça, le problème. Ok. Allez, arrête, c'est bon, là. Fini les conneries. C'est fini les conneries. Ok. Toujours à moins 50. 150, pardon. Ah, on fait un sale start. On fait un sale start. Ben regarde la main dans le solver, JJ. Comme ça, tu me dis si t'es toujours d'accord avec ton analyse. Ici, j'ai soit l'intérêt de raise pour ISO, soit je vais juste call. Et je pense que je vais juste call, les gars. C'est une main qui joue bien en position contre lui, contre un deep stack. Je suis assez à l'aise pour lui faire faire peut-être des erreurs. Si j'ai pas d'intérêt à miser, les gars, juste checker. Mon seul intérêt, ça aurait été de faire grossir le pot. Je pense que j'ai pas forcément besoin. Si je vais bête. Dommage. Ah, la flush. Dommage qu'il ait vraiment rien trouvé. Lui, ça aurait été un petit truc sympa. Ici, je vais call, les gars. J'ai un gut shot. Si je vais 2x. Ici, est-ce que je transforme mon roi en bluff? Je suis pas sûr. Il a pu miser des dames valets, des trucs comme ça. J'ai pas forcément besoin de bluff ici. Allez, c'est trop là, les 50-50. Hein. Putain. Hein. Pas normal ça. Perdu? Allez, mon triblam. Allez, font fistador. Bienvenue les BG. J'allais sur les tables. Bah, y a besoin là. Hein. Encore parti sur un bon début de session. Encore parti sur un bon début de session. Je crois que les deux expressos que j'ai gagnés, c'est des merdes, tu vois. C'est tapis. Good luck à moi. Ça me va de prendre les blindes, c'est parfait. Hâte de voir un petit x50 ou. Ah, mais moi aussi, x50 ou x100 en stream, mec, ça serait incroyable. J'en ai jamais eu en 25. J'ai eu 3 x50 en 10 euros en stream. Je crois que c'est sur la même session en plus. Au moins 2 sur la même session. Et par contre, en 25 euros, c'est jamais tombé en stream. J'ai toutes les options. Je vais juste call. J9, on va check. Check, check, check. Je vais mettre une blinde. Si, check. Je vais prendre la carte. Je vais check. J'ai value une fois avec mon beau 9. Je suis pas sûr que j'ai beaucoup plus de value à prendre. Peut-être que j'en ai un peu. Et ici, je vais call une fois quand même. Si, je vais tapis. Et ici, je pense que je vais fold pour une deuxième barrel. Je pense pas qu'il fait ça avec quoi que ce soit que je bats. Et là, c'est trop par contre. Hein. Pas normal ce que je prends. C'est trop régulier, Winamax. Il y a un problème. Quelqu'un me déteste chez Winamax ou quoi? Ah, il y a des mains qui font plus de mal que d'autres, les gars. Ok, si on est payé. On a une petite chance quand même. Dommage, on avait les 7, tous les pics, les 8, les 5. Ça fait beaucoup d'out quand même. Ici je vais tapis. Salut mon Echo. Bienvenue du BG. On va se concentrer sur le heads up à gauche, les gars. Si je vais fold. Si on y va. C'est pas mal pour l'instant. C'est nice, ça gagne. J'ai eu un fois 100 en stream à 25 euros, ouais. Que j'ai pas gagné, les gars. J'ai fini deuxième. J'ai pris 300 euros. Malheureusement. Si on va regarder. Gagner. C'est cool, on gagne avec un 50-50 encore. Ça commence à s'inverser peut-être. Ici, on va bête avec le gut shot, les gars. Maintenant qu'on a le valet, c'est toujours pareil. Est-ce que du coup, tu mises? Je pense que je value sur rien de moins bien. Un 7, une pocket 8, pocket 6, tout ça, ils vont jamais me payer. Et dame, je pense que je vais pas la faire fold. À moins de 2 barrels turn river. Et là, je vais juste fold du coup. Ici, je vais 4,5x. Et ici, je me fais tapis. On y va. Je vais limp ici. Ah, c'est trop par contre.
Je pense que c'est trop. C'est trop ma vie. C'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Putain. C'est pas normal, hein. Il y a trop de dingueries. Il y a trop de dingueries groupées. C'est pas possible. Check ici. J'aurais pu être plus agressif, mais je sais pas, je le sentais pas. Si je vais fold, si je vais call. Si je vais fold. Ah là là, c'est dingue. Fold. Le jour où ma réussite va s'inverser, les gars, je pense que je vais devenir milliardaire. Bon, là, je suis pas bien, je pense. Wow. Si je fold, on n'aime pas le cœur. Ouais. Logique est respectée cette fois-ci, par contre, pour Sunstock. On va call. On va relancer, pardon. Début de session catastrophique. Si je vais tapis. Je te vends. Pourquoi je sentais? Toujours un truc où tu te dis ça arrive. Hein. Tu le sens des fois. Je te dis celle-là, elle arrive. Bon. Moins 10 caves en 18 tournois. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Mais au fait, je me rename. Je sais même pas pourquoi. C'était pas le cas déjà. Je suis rename. Ah, t'as mis le petit CKP, c'est ça? C'est senti mon bro. Il me semblait que tu l'avais déjà, moi, sur Twitch. On y va, si je vais continuer la chaîne bête, même devant deux joueurs, je pense que c'est un board assez sec et j'ai vraiment une main sympa qui peut s'améliorer derrière. Et si on va tapis contre celle-ci, on a 2x et ici, je crois que c'est un call ici pour moi. Je pense que sur son bet, je vais tapis. Et s'il bet pas, je vais miser plutôt élevé. Ici parce que du coup il y a quand même pas mal de draw. Ok, ici c'est incroyable de pas avoir ses bêtes sur ce board, mais c'est pas idiot. Tout dépend de la range de call qu'il me met. Même quand je touche des bons flops, on me paye pas, les gars. Bizarre. Bizarre. En fait, je paye de bug d'internet pour l'instant. C'est aussi à noter. Si on tapis, les gars. Et si je vais call, pareil. Je call. Et j'étais bien, moi. J'étais bien avec ma petite main. Dommage. Salut, mon arbre, ça va ou quoi? C'est toi le trou de balle. Si je vais fold. Trois et deux. Passe. Dame 10. Je peux tapis, ça, dame 10, en vrai. Plus conservateur et 2x. La fameuse river magique de Wina. Ouais, bah après, hein. Un jour, c'est moi qui prendrai toutes les river magiques. C'est comme ça, normalement, c'est censé tourner sur le long terme. Si on va fold. Si on va fold. Je pense que je vais passer à 5 tables, les gars, si ça vous va. Dites-moi dans le chat. Ah, je vais vous faire un sondage. Tiens, j'aime bien ce qu'il y a de sondage. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Si je fold. 9, ça tient contre roi. Wow, putain, c'est incroyable. Ça tient. Ça chatte plutôt. Je crois que tous les expressions que j'ai gagnées là, c'est que en chattant. Les 3 ou 4 que j'ai gagnées depuis l'émulation, c'est que des chattes. Et tout le reste, tout bien joué, j'ai pas gagné. Et roi valet, je pense que j'y vais, non? Ouais, c'est pas si mal. Un trèfle. Dommage. Ah, c'est la merde. As 2, bon. On va 2x, ça va être dur du coup. Reste. Gain de 2, si on va tapis, désolé pour le slow roll, bro, j'étais juste en train de taper. Ça perd ici. 2x, on va rebuy ici évidemment. Pas le meilleur flop à droite. C'est bête assez cher. Je pense que je vais fold. Je vais faire le sondage, les gars, pour savoir si on reste à 2 tables ou si on passe à 5 tables. On passe à 5 tables. Okay. Allez, tapis. Dix ici. Et je vous laisse 5 minutes pour le sondage, les gars, à vous de voter. Je suivrai le résultat du sondage. Ça chauffe première pour moi sur ton live. Je regarde TV de YouTube. Bienvenue, mon 20-20.
Adora mon poulet, tu perds tous les jours, non? Non, bon. Je pense que tu n'es pas là tous les jours. Mais je perds plus souvent que je gagne, ça c'est sûr. Mais c'est la norme en expresso. Et pour qui tu sais quand ce sera sur téléphone? Je pense que ce sera mi-février, deuxième ou troisième semaine de février, ce qu'ils avaient dit. Après, j'ai pas eu de nouvelles. Salut mon Fab. Ici, j'ai tapis. Et ici, je pense que je vais push. C'est son premier limp. Je pense que souvent, ça va être des limps avec des merguez. Je pense que je peux pas mal iso. Ça crée une dynamique pour la suite. Ou si je réchauffe avec une grosse main, il sera peut-être plus chaud, plus sensé de me payer. Plus saucé de me payer, pardon. Si je fold, si je fold. Tous bien joués, je ne les ai pas gagnés. Bien, pardon. Toi, JJ, je pense que t'es pas un mathématicien, c'est ça ton problème. T'arrives pas à comprendre. On avait dit qu'on trollait pas aujourd'hui. Toi, t'as dit que tu trollais pas. Moi, j'ai tous les droits. J'étais sérieux en plus. Je pense que je les ai bien joués. Après, c'était ok de les perdre. Mais j'étais pas content de la façon dont je les ai joués. Et je pense que j'ai moins bien joué dans ceux que j'ai gagnés que sans ceux que j'ai perdus. Ok. J'ai à lui. Que les carreaux qui peuvent me sauver ici. Dommage. C'est à notre tour. Si on pouvait redoubler, ce serait cool. 5 et 6, pourquoi pas. Il n'y a que les 4 qui prennent la victoire pour lui. Ah, votez dans le sondage, les gars. Il y a le sondage qui est dans le chat. Hein. Vous avez juste à voter. Ici, on call. Ici, on tapis. Et encore un 60-40 qu'on va perdre, quoi. Évidemment. Et après, GG va dire oh, il a bien joué. Il ose dire qu'il a bien joué alors qu'il n'a pas gagné. GG, ce fiac. Bien sûr que je t'ai répondu. Je t'ai bouché, Naron. Ok, qui a tué ton call. Et on fold. Ici, on call. Encore devant. Ah, cette fois-ci, ça suffit, hein. Ici, on va tapis. Il avait quand même les valets, river. Allez, ça gagne ici. Ah, il faudrait... ah putain, par contre, ça fait un moment qu'on a que des grilles. Hein. Oh. Oh, je l'ai senti, le valet, je sais pas pourquoi. Oh, quoi? Non, quoi? J'ai même pas vu qu'il a été au-dessus. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, le valet va tomber. Incroyable. C'est le mec qui avait la meilleure main qui a perdu. Les derniers. Normal. Bon, toujours à moins de 250, les gars. On peut pas être heureux dans ces conditions. Dommage, si j'espérais 13. Je vais bet maintenant sur un board avec un roi. Je pense qu'il y a beaucoup de ces rois forts qui veulent relancer. Jamais trompe 3 bêtes ici. Il n'y a pas qu'avec des tirages, des doubles paires petits, des trucs comme ça. Des tapis contre Rolandos. Salut chauve, j'aimerais stream sur un casino. Je ne sais pas comment faire et lequel choisir. Bah, comment ça stream déjà? Mais je ne sais pas c'est quoi ton problème pour choisir un casino. Toi. Je vais fold. Fais un casino que t'aimes bien. Si je vais fold. Si je vais fold. Ça a l'air de se diriger vers 5 tables quand même. Hein. On va passer en 5 tables, les gars. Allez, good deck. Que les good vibes soient avec nous, les gars. Ah, ici, je vais tapis. Même logique que tout à l'heure. S'il peut passer, c'est parfait. Si je fold. Ah, toujours pas des expressos de fou en vrai. Hein. Si je vais fold. Si je vais 2x, si je vais check. On va toucher notre 2 ici, mais on va rester calme. Et ici, j'ai 2x. Je pense que j'ai. J'ai bête quand même. J'allais dire, j'ai pas trop de full d'equity. Je sais pas. Avec quoi il peut me payer tous ses carreaux, tous ses 8, toutes ses 8. J'ai déjà dit les 8 et tous les as, évidemment. Maintenant, je pense que j'ai un deuxième barrel qui fold beaucoup de ces paires intermédiaires. Et sur un as, si je vais call, si je vais check. Mais pour moi, quand il me call ici, je pense que bon, bah, logiquement, mathématiquement, il a plus souvent des 8 que des as, parce qu'il y a deux as sur le flop. Du coup, ça vaut le coup de mettre un deuxième barrel. Je vais fold ici. Il y a paire de rois, on n'est pas trop content de jouer. Si je vais tapis. 9, j'ai déjà lui. Je suis en drawing dead. Ici, on va fold. Ici, on va check avec notre 3. Ça passe. On a pris une double value. Je pense pas qu'on pourrait avoir fait mieux. Peut-être plus river, un petit bet, mais bon, c'est pas évident. Ici, je vais call. Ici, je vais check. Roi 6, tapis. On déplace à JJ. Ici, on va fold, on va fold, on va fold, on va fold.
On va fold, on va fold, on va tapis, on va fold, on va fold. 40-60, dommage qu'il ait l'as de trèfle, ça nous ken un peu. Mais ça tient, c'est cool. Et si on va fold. Je vais fold ici, je vais check, 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 check. Et ici, je vais call. Je vais check, ça va être compliqué ici. Si on va tapis contre Valerun. Ici, on va fold. Ici, on va fold. Je vais payer par roi 8. J'ai à lui. On va bet ici, si on est à tapis. Ici, on va fold, ici, on relance. On est parti ici, si on fold, si on check, ça fait 4, c'est roi J. Ici je vais bet sur mon gutshot et mon overcard. Ici je vais bet, ici je pense qu'il m'a collé avec pas mal de mains. On est parti, si je vais fold, si je vais check, et on touche la dame. Je pense que c'est une carte que j'ai envie de barrel, s'il a un 10, pas jamais fold je pense. Et si il a mieux que moi, bah, je vais moto value. Il va sûrement me relancer. Check, check, check. Ici, je vais call avec mon petit 5 tranquille. Je vais peut-être plus tapis J3 contre 5 blind. Si je vais 2x, ici, je continue à call, il me paye qu'ils sont 8. C'est parfait pour nous, les gars. Fold, on va fold. Ici, on va bet. Ici, on va fold. Tapis, roi 6. Ici, on va check. Le blind du 4 est pas si mal. Maintenant, quand il mise 4, ça représente soit un 4, soit une bonne dame. En tout cas, dans ce qu'il essaie de représenter. Je fold. Je vais fold. Je suis tapis encore ici, je pense. C'était close. Dans ma range. Je vais fold. Ici, je vais tapis. Macaroni va se calmer. As-dame, ça va. Ça touche. Je fold. Dommage, on touche le pic avec le 9, mais il avait la dame. Un tapis. As-10, on touche pas de miracle. Si on va fold, on va fold, on va fold. Ça perd logiquement. Roi dame. Ah, on a un petit 100 balles. Ça, ça peut faire plaisir. Ça, ça peut donner du plaisir, les gars. Ici, je vais call 18. On est dominé malheureusement. On a quelques outs quand même. On a les 9. Voilà. Ici, on va fold. Ici, on va tapis. Pas grand chose à faire d'autre. Dame, dame, ça veut partir à tapis. Dans ce call. Ah, mais il est incroyable. En fait, dès que je suis derrière, je gagne, les gars. C'est dingue. Si je vais tapis, si je fold, je fold. Et par roi 9. Tiens, c'est heureux. Ici, on y va, les gars. Les expressos tout de suite, les gars, c'était quand même assez incroyable. Hein. C'est une sensation que j'ai pas vécue aujourd'hui. Si c'est call, si on check, 10 et 3. Il a le 10 quand même. Il a le 3. Il a le full. C'est trop leur vie à eux. Ici on y va. As 3. Ok, on a les deux, les piques. Nice, chat. Parfait les gars. Ici on va check. J'ai l'impression de gagner qu'un chatant. Il perd tout le temps que je suis devant. C'est ouf quand même. Et ici, je pense que je vais passer aussi. J'ai gardé l'agressivité. Si je vais fold, je fold, je fold. Bête. Je pense qu'il n'y a pas souvent de mettre sur un. Une limp ici. Pas souvent me mettre sur un as. Si je fold, je fold. Okay. Si je vais check, et je pense que je vais call s'il bet. Cool. J'aurais préféré qu'il raise à la turn en vrai, Tony. Si je vais 2x, si je vais check, si je vais check. Quand même pas beaucoup de couleurs sur ces tables, les gars. Quand même pas beaucoup de couleurs. Si je vais check, si je vais check, si je vais check, fold. Dame, dame, comment il a joué son dame, dame lui? Je vais 2x, ici je vais fold, ici je fold, je sais pas, je vais call. Et ici je call. Carreau! Check ici, ça gagne. 100 balles quand même, c'est dur. Hein. On y va ici, maintenant on y va. Ici je vais limp, allez 4-2, 4-2-5. Perdu. Pas fold. Dommage. Hein. Ici on va fold, ici on va fold. Ici on va call. Bon, c'est pas la session de la luck pour l'instant. Roi 6 contre 7 9 en fer. Normal. Normal, normal. On fold ici. Full gris.
Ici, c'est tapis. Roi 10, il y a des chances que ça tapis. Dame 3, je vais 2x. 7 et 5, je vais go. Ici, je vais tapis. Contre Anis. Ici, il va. Il ne faut pas de 10, on va. Ici, on est complètement battu. On va in. On va fall. Moins 400. Moins 313, pardon. C'est tapis. Ah, le roi, dommage. Dommage, dommage. Après, c'était le plus petit tapis. Ça, c'est cool. Ici, je fall. Ici, je tapis. Ici, je pense que je vais tapis. Ici, je fall. Une petite dame, ça serait cool. Ici, je vais tapis avec mon 8 et 7. Je pense que c'est de la fold equity. Et quand j'en ai pas, j'ai souvent deux cartes vivantes. C'est dommage qu'il y ait les picks, sinon, t'es pas si mal au flop. Ici, contre Panda, c'est tapis. Bye bye. 400 du coup cette fois-ci. C'est vraiment mon premier mini-tour en fait les gars. Si on va check, si on va fold, si on va fold, si on va fold, si on va J2, si on va fold, et roi 10 on va 2x. Je peux le fold le roi 10 de temps en temps ici. Roi 7 je vais go. C'est dur. Perdu en bas. Et si on va fold. As valet. C'est un tapis. Et ici je vais fold, fold. Dommage le 3-3, je serais bien à la tapis. Et ici, ce que je tape, je colle avec mon. Je pense que j'ai pas le choix en vrai. Lucky. Je vois pas comment je peux fold ça en vrai. Et si on y va, dommage. C'est cool aussi. Et en bas. Et on va split ici, malheureusement. Alors qu'on dominait. Si je vais tapis. Et là-bas. Je vais tapis. Une couche, je pense à cette profondeur là. Si je vais fold, dommage. Ici je vais tapis. Et ici je vais tapis. Salut N-Pen Boy. Alors, on va voir du vert. J'aimerais bien aussi, mon pote. Ça va peut-être venir. Ici c'est call. Ici c'est check. Moi j'y crois, les gars. Je pense qu'on va faire une belle session aujourd'hui. Oh, c'est trop ces run out de fou là. Il y en a trop en fait. Ça passe, c'est cool. Ici on est ici, ici on est check, ici on est prêt. Je vais dominer. Check. Dommage. On le fait doubler à 8 blindes du coup. As-roi, c'est pas mal. Ah, les blindes augmentées. C'est pas si mal pour moi. Ici je vais tapis à 5 blindes. Tac. Et 7 et 3, si limp. Je vais me poser la question si je tapis. Si je tapis, fall. Ici je vais check. Ici j'ai envie de squeeze. Non, ici je vais. Si je vais fold, on va gagner un roi-roi, c'est incroyable. Si je vais tapis roi 8, il y a une très belle main aussi. Un petit cœur, un petit 8, check. Si on va bet, si on va double, fold. Il y a le 5, bien joué à lui. Nous, il y a les 7, les dames et les cœurs qui nous font gagner. Bon, je pense que je suis ok avec le call, largement même. 50-50 ici, j'aurai un petit 10 qui a touché son 7, ici on y va, ça passe pas. Je vais taper les gars pour essayer de prendre les 4 blindes, si je vais faire 5, ça passe en bas à gauche, c'est cool. Et cette paire ici, on avait une blinde, on va retapis, ici on va go, toujours à moins 400, du coup on se maintient à moins 400, on est content. Ok, allez 10 dames, allez, on va. On va y aller avec un valet. Ici on va fold. 3-3, on y va. Je fais plus de casino si je fais juste après le casino, bro. 16h30, je pense qu'on ira au casino. Et ici j'ai envie de all-in pour voler les blindes. Pareil, c'est un peu plus loose. On est à 50-50. Dommage. Pas pour nous les 50-50 pour l'instant. Si on va check. Si on va fold. On va continuer à check. Roi 7, ok. Check. Split. As 3. Ça va être intéressant à jouer, les gars. Ici, je vais payer J10. Si on va fold. Combien de fois ils touchent leur branlant contre moi? C'est pas normal. Si on va tapis. Ici, je vais tapis, les gars. Je pense que j'ai un peu de full d'écoutier avec mon roi 2.
Et si je mets tapis contre comment? Peloche. 50-50. Ici on met tapis. Pas de cœur, pas de tout ça. On y va. Ici on fold. On double. C'est cool. 10-10, pas le meilleur flop, mais bon. On y va. Ici on fold. C'est bête. On y va. Peut-être comme ça. Présente soit un bon as, soit double paire, soit un truc comme ça. Ici je check. Ici je fold. Je fais mon fold. Il y a beaucoup de cartes au-dessus. J'ai pas que les bluffs. Évidemment. Ici je vais 2x. Je check. Ici je vais call. 50-50 encore contre Panda Fish. 9-9, on va y aller. Et ça tient. Incroyable. Ici j'ai call une fois. 9, c'est pas évidemment la meilleure river. On va fold. Check. Perdu en haut à droite. Comme on avait. Check. Ici on y va. Ici on y va. Ici on y va. Ici on va tapis. C'est pas si mal. Allez. Dommage. On a ce roi là-haut. Ici on va fold. Ici on va fold. Ici on va fold. Je joue contre Vincent Pello en haut à droite. Je sais pas qui c'est Vincent Pello. Je ne le connais pas. Attends, le roi-roi, on a pris un wall sur le roi-roi là. Incroyable. C'est un rugbyman du Stade Rochelais. Il doit être BG le gars. Il présente des copines. Si on va fold. Si je vais tapis contre un stock. Je suis pas content d'avoir tapis. J'aurais préféré peut-être. Limp raise. Si je vais fold, si je call. Si je vais tapis. Si je check back. Ça va être compliqué ici. Ok, on touche le valet. C'est cool. On a encore envie. Miraculé, si on fold, si on check, si on recheck back, et ici je pense que je vais il faut que tu touches quelque chose, ça me va. Tiens, si je fold, ici je fold, si je fold, si je fold, si je check back, ici je vais tapis dame 2, ici je vais tapis GF, ici je check, j'aurais pu tapis aussi. J'ai envie de mixer un peu mon jeu, surtout contre Panda qui connaît un peu le style, je pense. Si je vais fold, c'est un peu clown le dame 10. Pareil, j'aime bien trouver des folds de temps en temps avec ce genre de main. Ici, comme j'ai mon 9, je pense pas avoir beaucoup d'intérêt à miser, pour être honnête. Je peux de temps en temps faire passer des valets quand je mise, mais un peu dur. Ici, je vais fold. Ici, je vais fold. Ici, je vais call 7 et 6. Parce que j'ai le gars de Damax qui m'a appelé là. Il m'a dit t'inquiète, je te mets tout au flop. Et c'est déjà. Du coup, la même main. Si on va fold, c'est 5 ici. Là, sur le 100, on est dead, dead, dead. Je fold. Attends, va. Si on fold, si on fold. Un petit 4, un petit truc. Et bien, les 6 aussi qui est rentré dans le game. Dommage. Et dame 6, je vais tapis par contre. J'ai pas été trop aggro. Je pense que j'ai un peu de fold equity quand même. J'ai 8, on y va. Ici, je vais fold. Je vais fold. On a la chance de toucher le 8. Pas de carreau, pas de dame. Plaisir. Et ici, on va tapis. Ici, on y va. Premier x4 qu'on gagne aujourd'hui, c'est cool. Enfin, ici aussi, c'est cool. Bon, le as dame, hein, c'est pas grave. 50-50, évidemment. Ici, panda fish. Qu'est-ce qu'on fait contre panda fish? Je vais l'agresser, le panda. Panda, ils aiment pas être agressés dans leur forêt, là. J5, ça passe pas. Malheureusement. Une première premium, je comprends pas. Si je vais fold. Ça gagne kicker, nickel. Si on y va, ici on rebuy. Ici on y va. Je pense que c'est close, les gars. Ah, J6 contre Panda, je pense que c'est un call. Si je vais fold. Parce que c'est un joueur compétent et qu'il est capable justement de jouer ce genre de main. Ça aurait été contre JJ, je pense que j'aurais pas call. Si je vais bet. Si je vais check. Si je vais fold. Si je vais bet, maintenant qu'il y a la doublette du valet, je me sens plus serein avec mon petit 6 super puissant. Et attention, ah oui, le patron du Danmax, je te mets un full par les 6 sur les valets. Ok, avec plaisir, poteau. C'est parti. Si on fold. En tout, il a encore même pas 40k, mais c'est trop lui. Putain, GG. Si je vais fold, je vais fold, je vais fold.
À noter qu'on est bien descendu, les gars, parce qu'on est à moins 325. Et ça en progresse. Si je vais y aller, roi 9, on y va. Et ça tient ici. Ça aurait été dommage de le, du contraire. Je call. Ici, je vais tapis J7. Si je vais fold, je fold. Check. As-4, c'est OK. S'il n'y avait pas là, c'était mieux quand même. Dommage. Ici, on va fold. On remet un peu dedans. Si je check, double paire, le talent. Ici, on va call. En fait, cette table ici, je fais que de perdre, en fait. Ça se passe comme ça. Je raise. Je call. Premier fois 5 de la session qui vient de tomber. Allez, quand même là. Hein. Ouah, ça va. Pas de 2, hein. Pas de 2, pas de 9. Là, ici, je vais check. Et ici, je vais tapis 10-2. Bête. Ici je vais tapis, ici je vais fold, ça tient, ça perd malheureusement, ici on va fold, et ici on va fold, ici j'avais un gutshot avec le 10, je pense que c'était un peu pétendu, mais je pense c'est un call avec 3-3, on a 50-50, les picks ça va être compliqué à gérer, mais ça passe, c'est cool, ici je vais tapis, ici malheureusement, et une belle main en face, là je poursuis. J'ai une belle main encore. Ça fait plaisir un peu de couleur, les gars. Vous en pensez quoi? Salut Angelina, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, les gars. J'espère que j'ai pas raté trop de messages. On vit notre vie dangereusement, les gars. C'est ça. Après As-Dame. Je ne gagne pas celle-ci. Perdu, perdu. Chiant. Sur la bête. Sur la folle. À moins 400. Heureux. On va bet. Call. Allez, le petit as, un petit valet, boum! Dommage. Pas le droit d'être heureux. On va fold, on va fold, on va fold. On va fold, on va fold. On est tapis. On va 2x, on va fold. Dame 6. On est là. Si on y va, ça gagne, on double en bas. On est peut-être pas complètement mort. Allez, on n'est pas favori, mais vas-y, hein. On va pas se laisser faire, les gars. Ici on fold, ici on fold, ici on y va, ici on fold, ici c'est tapis. Ah, dommage, ça tombe mal. On a pas de cœur en plus. Ici on check, ici on fold. Dommage, dommage. C'était quand même dame, dame contre A6, hein. Ici on va call tous les jours avec notre dame. Ici c'est J4, ici je continue à call. 9-4, ok. Passe devant, ça tient avec la dame. Dommage qu'il ait babé de turn, je trouve. Avec sa main, c'est une bonne main à second barrel. Après, avec les profondeurs, peut-être qu'il s'est dit dans tous les cas, j'allais call. Ok, si je vais fold, je fold. Si ça gagne. Et 8, je vais limp. Fold. Et sans noter les comportements de vos adversaires, les gars, sur les limp. Oh, on voit qu'ils trouvent pas d'action. Des fois, c'est peut-être mieux, les gars. Je vais 2x. Call. Je vais être petit, je pense que je ne représente pas beaucoup sur ce flop. Je vais check. Doublette du 3 est pas si mal. Je vais call. On va fold, fold. Et là, je vais tapis J10. On gagne un petit 125 qui va faire un peu de bien quand même. C'est cool. On va fold. Tourne full gris. Fold. Salut, Leslie Paul. Let's go, mon bro. Je vais fold ici, je fold, je fais ici, je fold. J'aime pas quand c'est gris, les gars. Ça met un peu triste. Je sais pas, c'est, j'aime bien quand il y a plein de couleurs à l'écran, là. On est devant, normalement, ici. En plus, on a les valets rois de cœur qui gagnent ici, maintenant. Sur la call. Flop, ok. Ici, je vais tapis J7 avec cette blinde. Check, ici, je vais check. Si je vais bet, si je vais fold, je fold, je fold. Check. Et ici, je pense que je suis trop commit. J'ai à lui. C'est un bon move. Et ça gagne pour moi. Ici, je vais fold. Ici, je vais 2x. Ici, je vais tapis. J'ai l'air d'avoir des instant fold. J'ai plus besoin de faire tapis. Du coup, je vais juste 2x. Est-ce qu'il faut l'instant? Pas beaucoup besoin de mettre beaucoup d'argent. Il a pas l'air de se poser la question. Soit il prend sa décision. Et là, je me demande si c'est pas un call, les gars. Avec 6 et 8. Gars, faudrait que je regarde ça. Faudrait que je le check celui-là. Dommage, ici la dame. La tapis.
Oh, c'était un call, les gars, avec Sivits. Incroyable, roi, roi, les gars, putain. Franchement, je m'en veux pas parce que j'en ai pris tellement des comme ça que ça me dérange pas d'en mettre aussi, mais. C'est grave quand même, hein. Les rois, rois qui perdent toujours. Roi, roi, dame, dame, moi, t'es sûr qu'il y a le gars qui prend un as. Si on y va, on est devant en bas. Pas de 7, pas de 5, pas de dame. Ça tient. On est parti. Ça gagne. On va peut-être faire une petite remontada, ça serait cool. Bon fold de The King. J'aime bien les joueurs qui se sentent pas toujours obligés de call avec any two. Un tapis à 4 blindes. On est vivant. Allez! Boum! Ok. Ici on va check. Ici on va check. Ici on va tapis. Ici on va call. Ici on va check. Ça sent bon ici. On est bien monté celui-là. Ils font plaisir ceux-là, les gars. Bon petit run sympa, si on va check. On va bête avec notre petit 5. Si je bête pas là, je prendrai jamais le pot. 600 balles, allez là. Pas de monstruosité ici non plus, c'est cool. Bon, c'est quand même mieux les gars quand ça run comme ça. Maintenant, faudrait enchaîner les gains avec les gros. Ici, je sais pas les gars avec Dame 9. Bon, ici, j'ai une main correcte contre deux joueurs. Je vais juste pas avoir trop envie de faire gros sur le pot. Juste check. Ici, je pense que je vais call. Allez, dommage. En fait, je me dis qu'ils ont souvent des cartes hautes. C'est une belle occasion de tripler vu que j'ai un short stack. Si je les laisse affronter, en fait, souvent je me retrouve avec un stack de 5 blindes contre un mec qui va avoir 25 blindes. Et c'est quand même un peu compliqué, quoi. Ici, c'est call. Bon, ici, je vais fold. C'est quand même un truc sympa, mais bon. Ici, je vais fold. Ici, je vais fold. Bon, c'est la logique, quoi. J'explique pour JD qui comprend pas grand-chose. Allez là, putain, faudrait qu'on remonte dans le vert, ça ferait plaisir après un début comme ça là. Ici c'est tapis, ici j'ai mon petit roi. Allez, on est pas bien, pas bien du tout. Ici on va fold, ici on va tapis, ici on va call, ici on y va. Ici, putain, ici. Pas mal le flop, un petit gut shot, backdoor pick. Ici je vais bête les gars, ici je fold. Plus de là, mais pas mal pour moi, je pense. Est-ce que je raise? Je pense que je peux mettre un petit raise de fiac. Est-ce qu'il me paye avec un 10 sur un mini-raise comme ça? Ce serait beau quand même. Avec un 8, encore plus beau. Let's go. Prendre la façon dont c'est joué. 6-8-5, je vais tapis pour mettre la pression. Si j'ai raté la coche. Hop, hop. Perdu en haut à droite, malheureusement. Si on fold. Si je fold. Si je fold. Parfait que ça fold ici. Pas trop aimé de call. Non, c'est pas bon signe. Si je vais fold, si je check. Si je vais check, si je vais fold. Fold. Ici, fold. Ici, je vais tapis. Ici, je vais tapis. Ici, je vais limp. Q10. Ok. Ici, je vais 2x. Ici, je vais. Je vais raise, les gars. 3,5. Si je fais 2x, si je vais call, si je vais j'ai ma bête, malheureusement ça, le flop est un peu compliqué. Aïe, 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 dommage le 100 balles, hein. Sentez bon quand même. Ici j'ai juste à call, je pense. Je vais check. Je vais bête. Ça gagne, c'est cool. Essaye de me sortir du pot, c'est cool. Il y a beaucoup de gris, ça sent le jackpot soon. Ah, j'aime bien ces théories, moi, Henrik. Voilà, des good vibes, on envoie de la confiance. J'aime bien ça. Allez, si je vais fold sur le tapis, si je vais call. Un petit set. Pas mal. J'allais dire qu'il n'était pas suffisant, mais c'est bien. Ça va, tapis 4 et 7. Il me faut la blinde. Bah, allez, j'ai encore une petite chance. Pas le droit d'être heureux. Ok. Ici on va rejouer les gars, toujours moins 300. Hein, pas facile la session. Ici je vais limp, ici je vais fold. Check. J'ai une petite 70 tournoi. Je vais bet, fold. Ici je vais tapis. Ici je vais rebet les gars. Ici je vais call. Check, j'ai un gut shot, backdoor trèfle ici, ça peut être pas mal. Ici je vais bet, il est AFK, je vais profiter. Pas une main de ouf.
Par contre, sur un bet, cher comme ça, hors de position, je fold. Si je fold, check. Je fais et fold, probablement, flop. Et ici, les gars, je vais juste bet, espérant trouver un fold chez mon adversaire. Puisque je n'avais pas grand chose. Ici, je vais fold. Ici, je vais limp. Ici, je vais fold. Ici, je vais tapis. Ici, je check. As 3. Je pense que c'est un call normalement. Je pense que c'est un call normalement As 3. Je call. Je check. Jamais confortable. Il fait quinte. Hein. Ah, j'aurais dû fold. J'ai pas compris qu'il allait faire quinte, les gars, avec 6-7. On l'a pas prévenu celui-là. On l'avait pas prévenu. Roi 4. Magnifique. Si on y va, 7 et 9. Normal. Normal, normal. Double du 3. Qui est magique. Ça nous sauve. Bon, on remesse encore. Ici, je vais limp. Ici, on touche le 3. Donc, j'ai le 3, je vais pas changer mon fusil d'épaule. Je vais attaquer. Et je vais fold. Fold. Ici, c'est 7. Magnifique. Le 3 n'était pas si ouf que ça pour moi. Dommage. Je suis à l'aise avec la façon dont je joue le coup, en tout cas. Si on va y aller pour deux blindes, je vais mettre un petit coup de chatard. Ça m'irait bien. Dommage. Hello, chauve. Comment tu vas? C'est écrit. Quoi derrière toi, près des casquettes? Comment ça, près des casquettes? Attends. Oh, le mec, j'ai 12 tabs, il me demande ce qu'il y a écrit derrière moi sur le mur là. Attends, je vais dire ça. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, sur la pancarte là? C'est la pancarte des amours, les gars. C'est quand on était aux amours avec ma femme. C'est ma femme qui a mis ça dans la déco. Il y a écrit mal au dos pour la vaisselle. Parce qu'en gros, c'est la disquette que je sors toujours à ma femme quand je veux pas faire la vaisselle, quand je faisais plus la vaisselle. Ben non, j'ai un lave-vaisselle. Mais pendant 6 ans, on n'avait pas de lave-vaisselle et du coup, c'était mon excuse, tu vois. Je disais, ah, j'ai mal au dos et tout. Et du coup, c'était une question aux amours. Voilà. As! Putain! Là, c'est une sale phase, les gars. Fold. Et là, je vais call. Je pense qu'il y a trop d'argent mort. Ça va me retrouver en heads-up avec deux cartes vivantes. Ici, j'ai 2x. Ici, j'ai... Dommage, pas de miracle ici. Ça aurait été pas mal. Si on y va. As 3. 10 et 6, je fold. Bah, je le as dame. Hein. Allez, 7, je pense que c'est suffisant. Si on y va aussi, si on check. Troll pas, ça va. Allez, qui fait plaise ici. Hop. Ici, 10 et 7, je vais. Ici, 4, 4, je go. Allez. Magnifique. Et ici, le carreau, magnifique. Je pense peut-être pas, mais on y prend quand même cela. 8 et 2, j'y vais. Ici, on y va. Ici, on y va. Ici, on check. Ça va pas être cher. À 7, ça tient, c'est cool. Cool. 3, 10. On va vraiment pas sur ce genre de board. Touche 110, mais c'est pas suffisant. Ici, on va fold. Bon bête de sa part à la river. Panda. Panda, il est pas mauvais. Pas mauvais, le frérot. Ici 3 et 10, je peux call. Qu'est-ce que je vais faire? Ici on y va. Tapis. Ici je check, ça gagne, c'est cool. J6, je fold. En fait, je fold contre lui parce que contre un mauvais joueur, j'aurais push. Contre lui, je sais qu'il va être capable de call les bonnes ranges. Et du coup, c'est pas EV plus de push avec ce genre de main. Mais qu'un adversaire qui est moins bon et qui va être peut-être un peu trop, trop passif. Bah, tu peux trouver de lever à bet ces mains-là. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ici, je vais check. Si ça passe, c'est cool. Petit float. Sur la call, pardon. Faut flotter les petits au charbon. Bah, à l'époque, on n'avait pas les petits, c'est ça. Maintenant, on peut les faire travailler hein, à la chaîne, les petits là. Si je vais fold. Bon, on redescend à moins 200. Maintenant, c'est pas ce qu'on veut, les gars. On veut du vert. On va check ici. Check, on check. On va fold. On va 2x. Ici, je vais limp. Ici, je vais tapis. Ici, je call. Bon, il aurait été à tapis quoi qu'il arrive, je pense, avec sa main. Si on y va. Mais j'aime bien de temps en temps varier ma range de limp. Et ici, contre Panda, je vais check. Contre un adversaire moins régulier, je sais qu'il n'y aurait pas eu de trap dans ses mains. Ici, je sais qu'il y a quand même quelques traps. Donc c'est moins intéressant pour moi de vouloir essayer de voler. Et ici, je vais check. Du coup, je préfère garder une main qui est peut-être plus forte que lui en position.
Parce que je sais qu'il va réaliser que je vais souvent push pour voler. Et du coup, c'est moins intéressant. Si je vais bet 1, je pense qu'il va payer avec tous ses valets. Si je vais essayer de profiter du fait qu'il soit FK, on va all-in avec 5-5. Ici, la call, je vais check. Ça passe. Ici, on va 3-3, c'est tapis. Ici, on fold. Ici, je vais juste check. J'ai pas d'intérêt à miser. Ici, on va tapis. Ici, on va tapis. 3-3, dommage. Et heureusement que ça fait full. 2-3, on fold. Ici, je vais check encore. Ici, je fold. Ici, je fold. Ici, ma vie est nulle. Check, je fold. Et ici, je fais. Fold ici. Je peux float de temps en temps. Roi 8, je vais call ici. Roi valet, on y va. Pas de valet, ça serait cool. Bien l'astico à split ici là, dommage, ça me remettait bien dans le game. Ici je vais call à 8, et si je vais call contre Panda, pareil, j'aurais pas call contre tous les adversaires, contre lui qui est compétent. Call, il va peut-être contre Gigi, ça a l'air mal parti. À 8, dommage. Si on va tapis, on a un peu de vert, ça va changer du gris à fold. Première fois ici pour toi, GL, x100 is coming, j'espère, Draco Feu, frérot. C'est gentil pour les coups de base, mon pote. Bienvenue à toi. Check ton Twitter. Ah, je check ça après, mon gros. Ici, je vais limp. Je vais limp re-raise, je pense. Je sais que c'est un joueur compétent. Il n'a pas trouvé la raise. Dommage pour moi, je me trouve avec une main trop forte pour être dans un pot comme ça. J'ai quand même touché mon 6, j'ai un backdoor trèfle. On va voir ce qui se passe. J'aurais préféré qu'il raise en vrai. Bien joué à lui. Il a senti la foudre! Fold. Ici, je vais. Call, même hors de position, les gars. Je vais call. Ici, je vais bet. Ici, je vais. Aussi. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il a un roi souvent. J'ai l'impression qu'il a un roi et que je vais pas souvent le faire passer. Ici, je vais fold. On y va. Ah, dommage pour toi, je suis revenu. Ah, bâtard, j'ai cru qu'il essayait de me voler. J'étais trop confiant. Ah, le fils de rat. Je me suis dit, il essaye de push tapis rapide pour me voler mon truc. Le bâtard. Ah, il a push roi-roi, mais incroyable. Le timing de fou qu'il a eu, quoi. Je viens de revenir. J'aurais été AFK, il aurait fait quoi? Ou alors, il a vu que j'étais revenu, genre. C'est capi GG forever. Yes, my friend. Ici, on va bet. Et ici, on va double X. On n'a pas de carreau. Et il fait quinte. Dommage. Et 10-10, ok. J'aurais peut-être, je sais pas si j'aurais fait fold. Mais bon, la doublette de là, c'était pas une bonne nouvelle pour moi. S'il n'y avait pas eu la doublette, j'aurais mis un barrel river, en tout cas. Ah, t'es beau, toi. On était devant moi, hein. J'ai pas chialé. Si je vais fold, je fold. On est revenu à moins 150, les gars. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. Pour l'instant, fold, on fold. Et ici, je pense que je dois y aller avec Dame 4. Et 10, bon, j'ai essayé parce qu'il était très short. Je pense que ça se tentait. Tap 7, je vais y aller. Et là, c'est perdu. Call. Allez, on a nos chances ici. Pas mal de chances même. Pick. Check ici, mais je vais jamais fold du coup. Ah, dommage, je pensais qu'il allait bet sur ça. Quand il check sur tout, je vais bet. De temps en temps, il peut me call avec une hauteur. Si je vais tapis, si je fold, si je fold. Fold. Si je fold, je fold. Je vais tapis ici pour prendre la blinde. Ici, je vais tapis. Ok, je suis cool. J'ai deux cartes vivantes. Là, je suis dead. Dommage. Et ici, roi 10. Hein, dommage. Dommage aussi. 50-50 qui passe pas sur le 125. Ça fait beaucoup de diff à la fin sur la bankroll. Salut, Mr. 5. Ici, c'est un tapis. Mais bon, il y en a un autre derrière. Les gars, on a une chance de nous racheter. Et ça nous rend heureux. Ici, il aurait misé moins cher, j'aurais sûrement call. Et là, gutshot, ça fait un peu cher. Là, on y va, on a la meilleure main. Passe flop. Nice, heureusement. On triple. Fold, check, call. Ici, on tapis. Ici, on fold, check. Check. Pire term. Je pense pas avoir beaucoup d'equity, ça me casse toute ma value sur les autres mains aussi. Et double equity 6, dommage. On était bien. On va y aller, on va la jouer à gros. Sur un fold, on va fold, on va fold.
Ici, je vais 2x. Ici, je colle. Ici, je fold. C'est 3. Si on va tapis, si on va tapis, ici, on va fold. Si on va essayer de trouver nos chances ici. On va bet. Si on va tapis. Allez, j'ai 5. Hein. Heureusement qu'il y a la doublette du 2. Si on y va, si on va, si on check. Allez, gars, il est à nous celui-là. Là. C'est pas normal ce qui s'est passé. Pas se laisser faire. Pas se laisser faire, les gars. C'est un fold. Ici, on a touché un petit 8 sympa. Ok. Si on va, si je fold. Ici, on a été call. Je pense pas que j'ai besoin de bet trop cher. Je vais fold. Je vais call. Ici, on va tapis. Allez, un J1-5. Ici, on va fold. Dommage ici. Et ici, je vais tapis tout simplement. Ici, je vais tapis. Puis si je fold, j'ai pour son 4. De boule, j'ai le call au flop quand même avec son 4 là. On y va. Ici, on y va. Allez, je peux toucher un truc un jour ou pas là? C'est trop hein, dommage. Faut chater lui. Hein. Salut mon Momo. Ici, on va payer évidemment. Ah, j'en enchaîne un peu les loses là. Ça se goupille un peu moins bien pour demain. Dans les spots importants. Le assassin. Aïe, c'est quand même 75 balles. Sois content d'avoir pu la jouer déjà. Tu parles de quoi, bro? Tu parles à moi? Si je vais fold, je fold, je fold, je check. Et ici, je vais call. Le 9, il fait plaisir. Je ne peux plus perdre. C'est heureux. On va se retrouver contre Mr. Chat. Qui m'a craqué mes as avec son 5 et 6. Ici, je pense à un call si c'est 9, non? Je vais fold, mais je pense que c'est proche du call. Si je vais tapis, si je vais tapis, si je vais fold, si je vais tapis. Ah, lui. Non, allez, c'est bon, qu'il arrête de me chatter lui aussi là. Putain, c'est trop. Je suis pas heureux là. Trop de chat, tu la chattes. Si je vais check. Si je vais check, dommage, je vais devoir fold. Fold. Et ici, je vais tapis. Et ici, je vais fold, GG. Je vais aller dans tous les cas, si on y va, si j'y vais, et ça chatte ici, parfait. On a le droit aussi de chatter un peu, c'est cool. Mais bon, c'est quand même plus normal quoi. Ici je vais fold. Celui-là il devrait déjà être over les gars. Bon dommage ici de 125. Ça gagne ici, c'est cool. C'est un peu normal quand même. Hein. La meilleure main les gars, au bout d'un moment quoi. Si je vais fold, si je vais tapis, si je vais fold, si je vais tapis. Il faut le 2. Ouais. Bon, moi, je vais arrêter. Dommage ici. Ah, il a gagné là. Oh, c'est trop lui. Je vais call, les gars. Allez. Dommage. Ah, il fout le gris. En plus, je me tape 0 luck. Horrible. Phase de session un peu moins sympa là. On va passer à moins 325. Ouais, si je vais fold. Si je vais fold. Fold. Combien, centaines de tournois à peu près? Si je fold évidemment avec la profondeur, si on va tapis, ça va être compliqué du coup ici. Dommage, je vois lui, bien monté lui en vrai. Hein. Il est, je crois qu'il est au début de la, début de l'affrontement, on va dire qu'il était à 2 blindes je crois. Je vois lui, encore du gris, du gris, du gris, du gris. Mais si je vais limp. Je sais qu'il a beaucoup de. Je sais qu'il a beaucoup de raise sur les limps. Du coup j'essaie d'en profiter. Avec mon petit limp raise. Ah. C'est pas grave. Dans l'idée, c'était ce que je voulais faire. Puis, de toute façon, dame dame contre avec un contre un as, ça perd toujours. Ici on va fold. Pas de 8 ici, ce serait cool. Hop. Désolé panda. I love you my friend. Pero. This is luck. Et ici je vais tapis. Avec quoi il fait tapis ici, les gars? Je pense que je suis obligé d'y aller. 3, 4, 5, 6. La split. Call. Ça gagne. Call. Je fais tapis. Ici, j'ai 2x. Et ici, j'ai 2x. 2x,
Ici, je vais fold sur le barrel. Pas le meilleur flop ici. J'ai tapis. Toujours dans les moins 300. Ici, c'est fold. C'est fold. Ici, je vais barrel. 4, 4, 7, tapis. Ici, ça va être tapis. Ici, je vais limp. Ici, je vais check. Contre ça, souk. Ici, je vais fold. Fold. Ici, je check. Ici, je check. Si je vais check, je pense que je suis souvent gagnant en vrai. Sauf s'il a un petit 3, un petit pocket. Possible aussi qu'il ait joué comme ça. Je fold. Si je fold, je fold, je call. Check. Je fold. Si j'ai quand même une main de fou, ça me donne envie de raise. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est de la fold equity quand même. Wow. Incroyable son call avec. Pas, bon, tu me diras en vrai, il avait 5 blindes, il avait son pic. Bien lucky, c'était le pire setup de main pour moi. Et ça gagne heureusement avec les trèfles. Bon, tu me diras, j'étais devant quand même. C'est tapis, c'est check, c'est fold, 9 et 4. Ça tient, peut-être remonter. Si je vais call, si je vais tapis dame 7, si je vais tapis 5 et 7. Et ici, je connais pas le joueur, mais je pense que c'est un call. Dame 3. Dame 3 pour 7 blindes. Je fais call. Et ici, ça gagne pas malheureusement. Si je vais fold. Si je vais fold. Et ça gagne ici. Tapis. Tapis. Et ici, contre Panda, je fais tapis. Bon joueur, si je joue pas dans l'agression, je vais jamais pouvoir le prendre. Ici, je vais 2x. Et ici, je vais tapis. Mmh. 3-2. Oh, j'allais dire, ça serait dingue de perdre. Ouah, t'as ça, c'est trop. Oh, magnifique. Oh, ça va. Je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre. Oh, je vais fold du coup. Incroyable ce coup, les gars. Que des coups de dinguerie. Hein. Dommage, dame 10. On était complètement dominé. Je pense qu'il fallait y aller. Panda, on y va. Si tu peux call, ça m'arrangerait, mon pote. Si on va fold. Ici, je vais raise. Ici, je vais check. Ici, je vais taper le coup. Ici, on va. Est-ce que j'ai intérêt à bet? Je pense que oui, hein, je suis vraiment énorme ici. On y va. 5-4. Waouh. Quel terrain de fou. Dommage. Bon, je pense que j'ai plutôt bien joué le coup. Dommage, dommage. Pas facile, hein. Pas des coups faciles. Et elle est sympa, la session. À part le score en négatif, mais je pense qu'il y a des coups intéressants. Si je vais 2x, si je vais bet. Allez. Si je gagne ce coup contre Panda en bas, là, je suis pas trop mal. Et si je vais continuer à chaîne bet, moitié coup, je pense que c'est bien. Ce valet, normalement, j'ai un as, hein. On m'a menti. Bizarre. Et si je vais bet. Pour son tapis, on va. Ici, tapis ici. Panda, il est partout. Sois tranquille, Panda. Ici, on y va. Ici, on fold. Et ici, je pense à un call. Ici, on check. Ça gagne ici, c'est cool. Ça fait 10. J'ai à lui. Ici, je fold. Je vais bet maintenant. Je call une blinde. Call. Je call. Check. Je vais remettre une petite blinde pour gratter. Si jamais c'est, ça passe, c'est cool. Si je tapis J7, J9. À deux blindes, on y va, hein, les gars. Je sais pas si c'est passé. Je crois que c'est passé. Hein. Si je tapis. Si je fold. 5 et 7, je me sens pas max ici. Si, si, on est plutôt bien contre sa range. Ah, c'est trop sa vie. C'est trop leur vie de chatard. Si je fold, si je fold, si je call, si j'y vais, je me retrouve avec cette merde là. Je vais payer pour doubler. Ça tient. On y va, fold. J'arrive pas à le finir ou quoi lui? Allez, Panda là! Laisse-moi les pots, frérot! Pas mal ça, je check. Encore Panda.
Ici contre lui, je vais raise. Si je tapis, si je fold. Si je pense qu'il va jamais me croire sur un 2. S'il a le moins de trucs, il va continuer. Et si je vais bet cher, je pense que c'est ce qu'il va percevoir le plus comme étant un bluff. Et si je vais bet pas cher, je pense que j'ai pas besoin. Dommage. Si je vais fold, si je call. J'ai 7. Ok, nice. J'aime bien quand ça garantit la victoire avec le petit as. Là, ça donne une sérénité, les gars, qui est assez... qui est indescriptible. Stream casino après, les frérots. 16h30, j'irai sur kick tout à l'heure, les gars. Ici, je vais 3x. Ici, je ne suis pas fan de 3x en vrai. Je vais faire 2,5x. Là, je vais fold un re-raise. Pitcha, je ne connais pas, les gars. Je vais faire 2,5. Je fold. C'est chaud, Donald. Donald, il était chaud. Il m'attendait, les gars. Bam! Je fold. On y va. As 2. Cette fois-ci, il ne pouvait pas y avoir d'as. Ce serait sympa quand même. Si je fold. Ah, mais j'allais dire pique, mais pas du tout. Même un pique, je n'y peux, je peux rien faire. Ici contre panda, on y va. On y va. Je connais pas de joueur, je vais dire pour voir un peu. Ici je vais dire aussi. Ici je fold. Ici je fold. 8, je peux mettre check. Ici je fold. Fold. Couleur avec le petit sang là. Ça pourrait être cool de le gagner celui-là. Je check, ici c'est tapis. Ici c'est tapis, ici fold. Ici je fold les gars, donc ici, je pense pas que je peux la value même si je touche un truc sympa. Ici je fold. Allez panda. C'est pas la blinde mon frérot. Si je fais 2x, si je vais tapis. Check. Victime, je peux pas raise en fait. J'ai pas le droit de raise ici. Salut mon Sten, bienvenue frérot. Si je fold, si c'est tapis maintenant, contre Donnie. Donnie Duck. Et ici, je vais bet cher les gars. Je pète un 3 balles. Et si je décolle. Ici, je vais 2x, on va voir s'il me re-tapis. Si je fold, check. Ça gagne là-bas. Ici, c'est tapis. Ah, ici, cette blinde, je pense que c'est cool les gars. Bien lui ici. Ah, je pense que c'est un call, les gars. Je connais pas le joueur, ça le problème. Je vais fold. Contre un joueur que je connaissais, j'aurais call. Contre un reg. 2x. Si on y va contre Panda. Si on va avoir du mal à fold. Et si on y va. Je continue à chaîne bête. Je pense que j'ai forcément besoin de mettre cher ici. Ici, par contre, de mon côté, moi je vais tapis. J'ai le choix, je peux raise. Bon, dommage qu'on ait dominé avec la dame là. Si je vais fold. Ici, dame, je crois qu'il faut que j'y aille. Allez, on y va. Ici. Bon, je crois que c'est perdu le 100 balles, malheureusement. Ça fait un 10. Et non, il n'y a pas de 10. Le 3 ici, c'est cool. Allez, on va rejouer. C'est cool aussi. C'est fort les assis, frère. La hauteur, ça joue tellement. Magnifique ici. Parti. Bon, je suis en 250. Ici, j'en ai marre du gris, les gars. Ça me fait des fractures de la rétine là. Si je vais fold, panda fiche top bot de la limite. Je sais pas si c'est un bot, les gars. Je vais couper l'enregistrement YouTube, les gars, et je relancerai juste derrière. Comme ça, on divise la vidéo en deux parce que ça va faire trop long, 2 heures sur une même session. Alors, let's go, et je relance juste derrière, les gars.